Bonjour à tous et à toutes. Direction le lac du Daer, un lieu qui s'appelle la Berche, qui se trouve en Haute-Marne. Le lac du Daer est divisé en deux géographiquement. Il est implanté sur deux départements, la Marne et la Haute-Marne. Donc je suis parti avec une autonomie de 300 km puisque les températures ont été froides et remontent légèrement seulement en début d'après-midi. Mais bon, l'autonomie est toujours de 300 km malgré tout. Donc il y a à peu près une petite heure de route. On va traverser un endroit que j'ai déjà nommé sur une de mes vidéos. C'est un entrepôt de déchets nucléaires. Un des plus grands entrepôts au monde. On passera par-dessus, tout simplement. Tout est enfoui en profondeur dans des galeries immenses. Là, il n'y a pas de frontière en profondeur. Je veux dire, par là, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Alors ici, ça n'a même pas la peine de freiner. C'est les voitures qui régénèrent d'elles-mêmes, tout en freinant par le moteur électrique. Et les kilomètres s'accumulent tranquillement. On en dépense beaucoup, on en récupère un peu. Ce qui fait que l'éco-conduite nous permet d'aller plus loin que l'autonomie prévue au départ. Si je pousse un peu plus loin dans mon parcours, il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Dizier, une base aérienne, une base militaire. Et il y a des bornes de recharge assez chères, pas beaucoup. Il y a Renault, bien sûr, gratuit avec son type 3, mais sans panne. Une autre hors de prix. Mais le plus élevé en borne de recharge restera toujours l'autoroute. On paye le droit de se recharger. On va dire ça comme ça. Ils nous font payer cher. Pareil pour le carburant, ils nous le font payer cher aussi. Mais bon, ça reste toujours moins cher en énergie électrique qu'en carburant, bien entendu.
ici, on arrive sur une base militaire. Plus ou moins désaffectée. L'électrique permet de faire de belles balades, de rouler sans se poser de questions. On peut en faire 200 km. Une sortie tout simplement, comme à une certaine époque. Ça ne ruine pas le budget. Cette partie-là, il n'y a pas du tout de réseau. Je suis sur Free, enfin chez Free, donc je pense que d'autres opérateurs ne proposent pas de meilleure couverture du réseau. Une longue portion comme ça de campagne, dès que c'est un petit peu vallonné et qu'il n'y ait pas de répartiteur, de répéteur en 3G ou 4G, évidemment. Voilà, là ça raccroche, mais c'est pas évident. Bon, le programme Google Maps garde en mémoire le tracé, c'est bien foutu, même s'il y a une perte de signal, ça continue à nous emmener, enfin, à nous guider à la bonne destination.
les vidéos que je fais là, ce sont des vidéos routières. Ça n'a pas d'autre but que de donner quelques informations et de partager des moments en voiture électrique. Découverte aussi des environs. Donc là, on se dirige sur la Haute-Marne. Voilà, on y est. Donc en dessous là, ce sont les conteneurs, les bidons bétonnés contenant les déchets radioactifs. Ici à droite, on a un tout petit aperçu, on voit rien en fin de compte, tout est souterrain. Hein. Centre de stockage de l'Aube, tout au bout là-bas. Alors ça peut être visité, hein, bien sûr, juste un bâtiment qui vous accueille, avec des renseignements tout préparés, bien sûr. Ils vont pas vous emmener dans les profondeurs. Mais bon, vous voyez, entre deux départements, voilà. Et comme c'est pas suffisant, ils vont en faire un deuxième. À l'heure où je mets cette vidéo, où je filme avec ce caméscope, montre un peu le paysage loin, les Tesla 3 arrivent par bateau entier. Il y a d'énormes commandes. C'est une voiture qui va mettre tout le monde d'accord en Europe. Elle l'a fait aux États-Unis. Elle le fera aussi en Europe. En France, ce sont des milliers de voitures qui ont été commandées. C'est une voiture qui coûte environ 50 000 euros. Mais c'est le haut de gamme de la Model 3 de chez Tesla. Vous avez le toit complètement en verre, résistant à tout. Vous pouvez faire les tonneaux avec, le toit ne cassera pas. Il est conçu pour. La seule option qu'il y aura, ce sera pratiquement l'autopilote. L'autopilote qui va passer au niveau 4 cette année. C'est-à-dire que les Tesla seront capables de prendre les ronds-points toutes seules, de s'arrêter à des stops toutes seules, de traverser des villes entières toutes seules. Voilà. Il faudra toujours un conducteur à bord. S'il n'y avait pas de conducteur à bord, ça passera au niveau 5. Elle serait complètement automatique. Mais là, déjà au niveau 4, vous vous rendez compte ? C'est impressionnant. Donc pour 50 000 euros, on a une voiture du futur, présente maintenant et du futur, qui se met à jour comme un ordinateur. Elle se met à jour la nuit et elle est tout le temps améliorée. Tout le temps. C'est fou. Ça en est même au point qu'ils peuvent améliorer l'autonomie, ils peuvent améliorer le moteur à distance grâce à des logiciels. C'est incroyable. Donc oui, c'est une voiture qui fait un malheur à peine arrivée, ça y est. Il y a des gens qui l'attendent depuis plus d'un an en France. Ils ont patienté, ils ont bien fait. Donc c'est le genre de voiture qui peut parcourir 1 million de kilomètres. Seulement à l'électrique. Vous n'avez pas de location. C'est tout bénéfice. Donc ça vaut le coup de mettre 400 ou 500, 600 euros par mois. Tout dépend de la durée, hein, bien sûr, hein, c'est un crédit. Hein.
D'ailleurs, sur les crédits, il ferait bien de faire des crédits maintenant, comme sur les camping-cars, des crédits de 12 ans. Un camping-car, c'est considéré comme un véhicule de loisir et il peut y avoir un crédit de 12 ans. Et ça peut être fait sur un véhicule électrique, hein. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec un thermique. Ça dure très longtemps, hein, une voiture électrique. Ils y viendront peut-être un jour. Parce que qui peut sortir 30 000 ou 35 000 euros de sa poche comme ça, sur un crédit de 5 ans ou 6 ans par exemple. Ça fait des grosses sommes, hein, ça fait des grosses traites. Si le crédit d'un seul coup il passe à 10 ans, voire 12 ans, oh bah, les mensualités sont accessibles, et sachant qu'on gardera la voiture longtemps et qu'elle aura une très bonne vente, une très bonne valeur de revente,